C'est quand tu veux, Ludo. Allez, vas-y, accompagne. Encore un peu, vas-y. Te retourne pas. Là, au frein. Au frein. Et on s'allonge sur la ventrale. Penche-toi en avant, là, tu trottines. Allez, on accélère. Allez, t'es super, là. Accélère, accélère, accélère. Et freine à fond. Et on va à la cible, Ludo, tranquille. Voilà, garde un peu de frein. Tu vas jusqu'à la cible. Penche-toi sur ta ventrale. Je veux que tu sois couché en avant. Là, tu vois, ça vole, regarde. On fait un virage à droite, à gauche. Tu vas sous ta voile, voilà. Tu relèves la main droite. Et on continue de tourner à gauche. Ok, allez, freine tout, on s'arrête là. Donc, t'étais timide sur la course, Ludo, juste là. Hein. Ok, pour moi. Allez, sans tirer dessus. Légèrement à gauche. Regarde où tu vas. Du frein. Et on accélère. Et ça vole. Il manque trois pas. Tu vois, tu remontes tes mains, c'est une idiotie. Tu remontes tes mains, ta voile, elle pique et tu retouches. D'accord? Allez, essaye d'aller à la cible, décontracté. Respire bien. Tu vois, voile pilote. T'oublie pas de te remettre sous ta voile si elle fout le camp. Super. Allez, fais-moi un petit virage à gauche. Ok, un petit à droite. Attends bien ton aile, hein. Tu vois, elle est à gauche, tu vas avec elle, va avec elle. Ah, là, tu piétines, hop, on s'arrête. Ouais, je t'en reparle quand tu seras remonté, Gwen. Super, c'est bien. Excuse-moi, je peux passer de l'autre côté. T'as un blème Ouais, effectivement. À toi, Gilles, vas-y. Tire pas dessus, les mains derrière, des mains derrière, voilà, mets la pêche. Elle arrive, tu lâches du frein. Attention, elle te double, reste sur tes freins, hop, trop tard. Ok, on s'arrête. Voilà, donc tu vois, la chronologie, quand tu veux, Marie. Allez, accompagne encore. Va dessous à droite. Lâche tes avant. Voilà, frein à gauche. Ah, t'aurais pu la récupérer. Bon, là, t'es pareil que Gilles, t'as tiré sur les élévateurs avant, hein, Marie. Donc, tu m'as tout cassé le bord d'attaque. Je veux pas qu'il y ait d'effort avec les mains. Je veux qu'il y ait un effort avec le plexus sur la ventrale. Allez, les mains derrière, on tire pas dessus. Hein. Allez, go. On tire pas dessus. Elle arrive, encore un peu. Léger frein. On se penche sur la ventrale. Et là, on accélère. Freine un tout petit peu. Voilà. On ne relève pas les mains. Voilà, au contraire, tu vois. Regarde loin devant toi. Le terrain arrive. Tu commences à freiner tout doucement. Et à fond, sous les fesses. Tac. Super, Gaël. Voilà, tu vois, dès le deuxième, ça va vachement mieux. Excellent, Gaël, c'est mieux. Tu vois, on a vraiment décomposé les trois phases. Sauf qu'à les monter droit, toi, t'attendais le replacement, mais en fait, il n'y a pas eu de replacement à faire. Excellent, Gaël, excellent. C'est quand tu veux. Allez, tire pas dessus. Vas-y, mets la pêche. Voilà, dans l'élévateur. Penche-toi en avant. Va dessous à droite, mets-moi du frein et on accélère. Là, t'as beaucoup, beaucoup de freins. Hein. Reste sur tes freins, reste sur tes freins. Reste sur tes freins comme ça, t'es safe. Là, tu freines, voilà, avant de toucher. On remontera les mains un peu plus tard. Tu sors de ce trou là, doucement sur les commandes, respire bien. Et là, tu remontes à poil les mains une fois que t'es posé. Allez, penche-toi sur la ventrale. Relève les mains, tu peux pas avancer parce que t'es debout sur tes freins là. Voilà, regarde, ça va mieux, non? Va dessous à droite, en avançant à droite. Relève les deux mains, relève les deux mains, on va continuer comme ça, on va jusqu'à Saint-Jouard. Allez, relève les mains, tu freines trop, t'as du mal à avancer. Et on fait un virage à gauche. Tu restes bien sous ta voile à droite. Tu vois? Avant de faire un virage, faut être sûr d'être sous ta voile, sinon vous êtes en opposition. Hein. Et ben voilà, allez, freine tout, on s'arrête là. Ok, il faut partir de plus haut là, Gilles, parce que t'étais tout de suite devant les trous et les bosses. Ça c'est compliqué au niveau du terrain. Ok, c'est mieux, Ludo, c'est quand tu veux pour moi. Les mains derrière, pousse vers le haut. Hop, encore un peu, au frein. Au frein, au frein, au frein, elle te double. Ok, maintenant on y va. Non, tu bouges plus les mains, s'il te plaît. Voilà, arrête de bouger les mains. Laisse-la voler, regarde loin devant toi. Voilà, bouge pas les mains, détends-toi. Tu te mets dans la peau d'un bébé de 12 ans. Voilà, tu l'empêches de voler en étant stressé sur les commandes. On n'a rien à faire pour le moment. Là, tu commences à freiner, les deux mains en même temps. Et à fond sous les fesses. Ouais. Ok, coucou, on va profiter de cette petite risée là, vas-y, emmène. Allez, tranquille, voilà, sans tirer dessus. Penche-toi bien, allez là, toc, et tu accélères tranquillement, sans bouger les mains. Allez, accélère, 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 voilà, tu y es. Regarde loin devant toi, Gaël, tout de suite. Rapproche tes bras maintenant, rapproche tes bras des élévateurs, voilà. Super. Allez, on se fait un léger droite, avant le chemin. Un léger droite, on va sûrement perdre de l'altitude,
Tu vois, toc, et maintenant tu vises ta cible et tu rentres en finale. Et je me tais. On freine, on attend, et on freine à fond. Impec. Tu vois, ça revient, hein. Super. Super. Gaël, peut-être ta course un poil timide, tu vois. Il n'y a plus d'accélération à un moment. Mais c'est propre, hein. Super. Et vas-y, Ludo, à toi. Les mains derrière. Tac, vers le haut. Elle arrive. Top, elle est là, au frein. Frein, frein. Là. Et maintenant, tu reviens à finesse max. Et tu cours. Allez, penche-toi en avant. T'es trop droit, là. Regarde loin devant toi. Regarde loin devant toi et laisse-la voler. Arrête de bouger tes mains. Là, tu freines un peu. Dommage, beaucoup trop. T'aurais freiné un tout petit peu, on serait passé. Arrête-toi là, Ludo. Arrête-toi là. C'est mort. Voilà, je préfère que tu reprennes tes esprits. Voilà, tu conserves la voile au-dessus de la tête. Et si tu veux, là maintenant, tu vas à la cible. Allonge-toi sur ta ventrale. Relève un peu les mains. Extra. On fait un petit virage. Hop, c'est mort. Donc, trop de freins sur le plat, là. Sur le plat, ça nécessite quasiment plus de freins. Vous devez juste avoir le poids des mains dans les commandes. Donc, toi, t'es trop syncopé au niveau de la course. C'est trop saccadé. Tu fais... Allez, ventrale. Lâche tes avant et tu marches. Et là, c'est l'oreille interne qui gère. Hein. Freine un peu. Excellent. Super, t'es super cool, c'est chouette. Allez, on y va maintenant. Allez, grand pas. Toc, relève le menton. Relève ton menton tout de suite, tu regardes où tu vas. Garde un peu de frein quand même, garde du frein. Ouais, t'es à ras les pâquerettes, faut freiner un peu là. Freine un petit peu là aussi. Hop. Regarde bien ta cible. Hein. T'es face au vent, léger gauche, mais t'es face au vent. Hein. Attends, laisse faire. Léger gauche, on va traverser, on va pas décoller là maintenant. Hein. Alors là, on pose en travers du champ. Hein. Commence à freiner. Et à droite plus qu'à gauche. Freine tout. Voilà, super. Merde, ça t'a décollé de sur le plat. Allez Marie, à toi. Bassin en avant et go. Allez, accompagne vers le haut. Viens vers moi. Lâche tes avant. Frein. Et on marche. On regarde la cible et tu te laisses aller sous ta voile. Hein. Va dessous, relève ta main gauche. Voilà, d'accord? Allez, essaye de décoller malgré tout là. Attention, tu pars à gauche, relève ta main gauche, relève ta main gauche. Toc, on pose là. Hop, un petit peu, toc. Et hop, tu te calmes sur les commandes et on laisse aller. Et on retourne vers la cible, Marie. Peut-être tu peux décoller dans le petit bout de pente là. Remets-la dans l'axe ta voile, remets-la face au vent. Voilà, ça va tout seul. Tu te laisses aller dessous. Allez, continue, continue. T'en as marre? Ouais, excuse, ok. Quand tu veux, vas-y. Allez, tu vas dessous, tu freines. Et on marche. Là, ça va peut-être bien décoller malgré tout. Ok, super, accélère, maintenant on va voler. Voilà, super, tu gardes du frein. Ah, dommage. Voilà, garde du frein comme ça. Regarde ta cible. Hein. On va partir par la gauche pour une fois. Regarde ta cible quand même. Pas trop, on va tout droit vers la cible. Arrête de bouger les mains. Symétrie au niveau des mains. Voilà. Laisse faire, laisse faire. Allez, commence à freiner. Tac, un peu tard, dommage. Excuse-moi, autant pour moi. Bon, ça fait du roulis, Gilles, parce que tu es tout le temps en train de contrer. Écoute, je vais t'en reparler quand tu seras remonté. Tu vois, quand t'avales... Allez, essaye. Allez, accompagne, va dessous. Lâche tes avant. Va dessous, va dessous. Voilà. Allez, arrête de bouger tes mains, là. Tu la gardes bien au frein. Et on peut y aller maintenant, hein. Allez, accélère bien. Regarde tout de suite ta cible, hein. Rapproche tes bras, bravo. Ce qu'on va faire, on va faire un très léger gauche. Regarde ta cible. L'équation, c'est toi qui la détermine. Allez, on retourne à droite. Encore, encore à droite, léger. Là, t'es face au vent, on va poser comme ça. Alors attention, ça peut te vomir par terre. Hein. Attends. Là, tu freines. Yes, super. Essaye. Voilà, extra. Ah, t'es trop violent là sur ton freinage. Pareil, tu vois, tu fais comme si c'était un cheval. Et là, tu viens de lui arracher la bouche. Tu vois, il faut un geste coulé en fait. Mais bien, hein, Gaël, hein. Bravo, hein. Super. Là, t'es beau à voir voler, tu vois, par rapport au tout premier. C'est bien. Quand tu voudras pour moi. Allez, tranquille, sans tirer dessus. On accompagne. Attention, paf, allez là, on fera. On marche 2-3 pas. Et là, tu remontes tout doucement tes mains, tu gardes un peu de pression et tu accélères. Excellent! Et tu bouges plus tes mains. C'est parfait, regarde. T'as rien fait. En fait, moins on en fait, mieux on se porte.
On n'est pas très haut, hein, on va pas faire un vrai virage. On va prendre léger gauche pour se remettre dans le face au vent. Donc là, ça monte, derrière, ça risque de redescendre très vite, tu vois. Donc tu es toujours vigilant et prêt à freiner. Hein. Allez, laisse aller comme ça. Attends. Là, tu commences à freiner. Et là, à fond, avant de toucher le sol. Excellent, excellent, Ludo. Allez, remonte tes mains, sinon tu t'étrangles avec tes suspentes. Puis là, tu freines calmos, puis tu l'accompagnes. Ouais. Tu vois, t'as juste oublié de l'accompagner un peu. Ludo, là, je te découvre un vrai pilote. Ça y est, t'as arrêté de faire tes micmacs avec tes mains, là. T'es de plus en plus fin. Allez, on fait comme d'hab, on marche un peu, vas-y. Allez, rentre dedans, tac. Elle est arrivée, tac, les hauts freins, et on marche, sans bouger les mains. Regarde, t'es pas bien comme ça? Hein? Allez, relève les mains, viens dessous. Et là, si tu veux décoller, on peut y aller. Garde un peu de frein. Non, pas à gauche, à droite. Voilà, tout droit. On fait plus rien, Marie. Si ça pose, ça pose, on s'en moque. Tu vois, t'es un peu scotché par le vent. T'es contré, hein, en fait, hein, y a du vent, hein. Regarde ta cible, léger gauche, c'est le moment d'y aller à gauche, tout doucement sur la commande. Hein. Là, super, laisse aller, on va poser comme ça, Marie. Allez, commence à freiner. Allez, relève les mains, retourne vers la cible, essaye d'aller à la cible, va sous ta nalle à gauche. Ouais, récupérer l'affaire, allez, avance, sans bouger les mains. Si ta voile te tire, tu dois naturellement aller dessous. Hein, on résiste pas, essaye d'aller jusqu'à Gilles là-bas. Tu freines pas trop, hein, juste à peine. Hein. La voile est à gauche, tu vas à gauche. Non, allez à gauche, voilà, relève les mains. Et va dessous à droite en avançant. Arrête de bouger les mains dans tous les sens parce que c'est toi qui fais du roulis. Va dessous. Voilà, tu peux pas lutter. C'est pas la peine de t'acharner, tu pourras pas lutter. Donc tu vas naturellement te replacer sous la voile. Là, tu relèves tes deux mains, tu te retournes vite, vite, et tu la prends au frein. Bon, il y a encore du boulot. C'est pas grave, Marie, ça c'est l'annexe. Hein. Et voilà, voilà, c'est super. Écoute, il n'y a pas beaucoup de vent. On peut faire presque un décollage classique si tu veux. Hein. Allez, fais ton truc. Allez, accompagne. Ça résiste plus, je freine. Et maintenant, je me penche en avant et j'accélère. Tu gardes du frein, voilà. Et là, tu as le droit de remonter tout doucement tes mains. Regarde bien ta cible, Ludo. Bouge plus les mains dans tous les sens, détends-toi. On n'a rien à faire, tu vois, pour le moment, on n'a rien à faire. On va se faire un léger gauche pour se rapprocher un peu de la cible. Super. Allez, détends-toi, je te laisse freiner en deux temps, tout seul. Allez, vas-y, premier temps. Et deuxième temps. Tac, et ben voilà, t'as tout compris, t'as plus besoin de moi, Ludo. C'est quand tu veux pour moi, Ludo. Ventral, on pousse vers le haut. Ça résiste, ça résiste, ça résiste. Tac, on freine. Et extra. Allez, penche-toi sur ta ventrale et c'est parti. Regarde loin devant toi tout de suite et tu peux remonter tes mains tout doucement. Bah c'est bon. Là, au pire, tu freines un poil. Non, bah c'est bon. Donc on va se laisser aller vers la gauche, tiens, pour une fois. Non, ça c'est droite. Voilà, remonte bien ta main droite. Tu descends un peu la main gauche, comme ça, nickel. On va se remettre au vent dans un petit moment.
Reste comme ça. Fais-moi un grand virage à droite, on repart dans l'autre sens. Et tu poses en travers du champ. Hein. Voilà, encore un poil droite, on va poser par là. Allez, commence à freiner. Et à fond. Et tu cours un peu. Voilà, super. Ludo, ça devient vraiment extra. Là, tu peux remonter tes mains, te retourner, et elle décroche. Allez, on va arrêter là-dessus, Ludo, aussi. C'est super, bravo. Tu vois, des conditions quand même franchement soutenues, là. Hein. Si tu fais pas le virage, tu pars dans la pente là-bas et je te pose à Saint-Jouard. Hein. Excellent, il y a un pilote à bord. Donc, tu nous rejoins sous le gros arbre rond, là-bas. On va replier là-bas. Quand tu veux, Gilles. Allez, accompagne. Va dessous, léger et droite, au frein. Voilà, regarde où tu vas. À peine du frein, on se penche bien en avant, on accélère et ça vole. Toc. Voilà, reste pas trop sur les freins. C'est très bien ce que tu as fait. Voilà, et là, tu as le droit de remonter tout doucement tes mains. Et reste bien droit dans ta sellette, hein, surtout. Laisse aller comme ça. On se fait un léger droite. Encore à droite. Encore à droite, on va vers la forêt. Encore à droite. Voilà, comme ça, on va faire un gauche un peu plus tard. Allez, à gauche toute. Tu remontes bien ta main droite, descends la main gauche. Encore, encore, encore. On va poser en travers du champ comme tu es là. Sois prêt à freiner, tout doucement. On ne repart pas dans la pente. Voilà, super. Et tu reviens vite sur le terrain, parce que là, on n'est pas chez nous, Gilles. Hein. Super, c'est bien, tu finis en beauté aussi. Allez, freine tout, reste freiné. Décroche-moi ça. Super. Marie. Attends, je vais te reculer, j'étais trop près. Allez, quand tu veux. Accompagne, top, au frein. Et on ne bouge plus les mains et on cavale. Voilà, tu regardes bien ta cible, Marie. Tu la laisses voler. Hein. Laisse-la voler, remonte tes mains un petit peu. Voilà, à peine le poids des mains sur les commandes. On va faire un petit tout petit droite pour aller vers la cible. Et tu t'occupes pas vraiment de la cible, c'est pas pour poser dessus. Hein. Là, tu es en plein dedans. Hein. Allez, tout doucement, léger gauche et commence à freiner en même temps. Ouais, la classe. Allez, on s'arrête là. Bon, ça, je te ferai des cours particuliers. Marie, je suis content et je suis fier de toi. Je t'assure, ça va tout bien.